Bonjour tout le monde. Oui, je suis ici. J'essaie juste de me brancher à mon ordi et ça semble pas fonctionner pour le moment. Je veux juste fermer ma page et je vais rouvrir. Sera pas long. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je pourrais pas voir vos commentaires, mais je pourrais toujours les revoir plus tard. Oh, je me réessaie quand même de toute façon. Ah, voilà. Cool. J'ai toujours un petit stress avant de commencer une vidéo parce que on a toujours peur que, au point de vue technique, ça fonctionne pas. C'est des choses qui peuvent arriver, ça c'est certain. Mais on aimerait que tout se fasse bien. Alors, bon, je vois qui est là. Bon, bonjour Dorina. Bonjour Louise, bonjour Carole. Je vais juste mettre fin à la mise au point de ma tablette, juste un petit moment. Bon, parfait. Cool. Bonjour, bienvenue à ma vidéo live du 14 mars. Aujourd'hui, on dirait que c'est une journée un petit peu plus d'hiver que de printemps. On a tellement hâte, surtout avec le changement d'heure qu'on a fait cette nuit. On a hâte qu'il fasse un petit peu plus doux, mais coudonc, on n'a pas le contrôle sur ça. Alors, oui, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Bouquet de papillons. C'est une collection qui est disponible du 2 mars, qui était disponible depuis le 2 mars jusqu'au 3 mai. C'est une collection, elle ne sera pas complète dans le prochain catalogue annuel qui va sortir au mois de mai, mais par contre, le jeu d'estampes et les poinçons vont être disponibles. Ce qui ne sera pas disponible, ça va être le papier design et le papier spécialité. Je vais vous montrer tout de suite les papiers design. Naturellement, c'est des 6 par 6 et 48 feuilles. On a 6 modèles. Alors, on a celui-ci avec l'endos qui fait un petit peu style aquarelle que je trouve magnifique. Il y a celui-ci dont les teintes sont superbes aussi. Et à l'endos, il est de couleur, je crois que c'est Copacabana ou Baie des Bermudes peut-être. Il est très joli aussi. Nous avons celui-ci avec des beaux petits papillons. Et à l'endos, il est très joli aussi. J'adore ces teintes-là, qui font un petit peu style aquarelle aussi. Il y a celui-ci avec plein de petits papillons aussi qu'on peut découper à la main et mettre sur nos projets. Et à l'endos, c'est le même, à peu près le même style, mais dans des couleurs différentes, un peu style aquarelle. Il y a celui-ci aussi, des envolées de papillons dans le ciel. C'est très joli. Et ceux-ci aussi, on peut les découper au ciseau. Et à l'endos, il est différent celui-ci, mais j'ai découpé au dail des papillons sur ce papier-là. Et il y a celui-ci aussi qui est très, très, très joli. Qui est très, très, très joli dans différentes, quand même, une, deux, trois, quatre, au moins cinq, six teintes. Et style aquarelle à l'endos. Ça, c'est pour les papiers design. On a 6 modèles, recto verso, et vous avez 8 feuilles par modèle. Je vais garder celui-ci proche parce que tantôt, je vais vous montrer que les dies vont avec ce papier design-là. Maintenant, je vais vous montrer le papier spécialité. C'est un papier, oh, excusez, style bois. Il est légèrement brillant, lustré, comme si c'était un comptoir de cuisine quasiment ou un meuble. Il est très joli. Et si vous remarquez, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran,
C'est difficile à voir, mais vous voyez toutes les vanures du bois, comme si c'était réellement du bois. Il est superbe, il est de toute beauté. De toute façon, c'est celui-ci. Je vais utiliser une partie de celui-ci pour faire mon projet, ma carte tout à l'heure. Et ce papier-là, le papier spécialité, le papier design, comme je vous ai dit, ne seront pas dans le prochain catalogue. Donc, si vous aimez cette collection, mais que vous n'êtes pas prêt à tout l'acheter tout de suite, procurez-vous au moins ces superbes de beaux papiers-là parce qu'ils ne seront pas dans le prochain catalogue. Alors, si vous ne voulez pas manquer votre chance, pensez-y. Alors, je vais vous montrer. Ici, le jeu d'étampes, c'est une étampe seulement. Une grande étampe. Voyez-vous, c'est une grande étampe avec six modèles de papillons. Et je n'ai pas pris en note, mais chaque papillon vient d'un pays différent, exprime un pays différent. Je ne l'ai pas pris en note, j'aurais dû, ça aurait été intéressant que je vous le dise, mais peut-être que je vous le dirai la semaine prochaine. Alors, c'est une grande étampe, on peut se servir du Stamparatus pour utiliser cette grande étampe-là. Et nous avons les dailles, les poinçons. Je vais juste regarder. Oui, OK. Nous avons les poinçons. Ils sont magnifiques. Je capote. Je vous le dis. Dire qu'au début, je n'étais pas intéressée plus qu'il faut à cette collection-là. Puis finalement, quand j'ai vu une démonstratrice qui l'avait achetée, qui nous avait montré un petit peu comment c'était une belle collection, mais là, je suis tombée carrément en amour, naturellement. Ça n'a pas pris grand-chose, hein? Vous me connaissez. Alors, ici, on a un grand dail. Et le papier design, on peut découper tous les papillons en même temps. C'est merveilleux, ça. Regardez, ça va exactement, c'est exactement le bon poinçon pour tous les beaux papillons. Et je vous dis, cette semaine, là, j'ai pas publié beaucoup de projets sur ma page Facebook parce que j'ai passé une partie de la semaine à me tailler des papillons. J'étais comme une enfant, là, je voulais en avoir de toutes les sortes. Alors, ce dail-là, il est superbe pour couper les papillons. Je vais vous les montrer, là. J'en ai ici, là. Regardez comme il est beau, le gars. Vous en avez différentes teintes. Vous avez celui-ci, vous en avez des petits aussi. En tout cas, il y en a six sur la page. Alors, vous avez huit feuilles. Alors, vous pouvez vous faire beaucoup, beaucoup de papillons. Celui-ci est superbe aussi. En tout cas, ils sont pas mal beaux. Et quand, c'est ça, quand on coupe les papillons, il nous reste une bande de chaque côté. Et naturellement, moi, je l'ai gardé, hein? Une bande de chaque côté qu'on peut, puis on peut s'en servir pour décorer nos intérieurs de cartes et nos enveloppes aussi. Et entre ici, là, entre chaque ici, moi, j'ai voulu garder tout le papier, je vous dis. Je suis allée me découper avec le petit poinçon ici et celui-ci qui est légèrement plus grand. Je suis allée me couper plein, plein, plein de petits, de mini papillons que je vais pouvoir mettre sur mes projets dans les mois et peut-être même l'année à venir. Et ensuite, je vais juste vous montrer. Bon, ici, je vais enlever celui-ci, je vais enlever ça. Je vais enlever celui-ci. OK. Celui-ci, on peut se découper des papillons unis qu'on peut mettre en dessous d'un papillon qui est détaillé. Mais moi, j'ai travaillé surtout cette semaine sur les papillons qui sont détaillés. Là, je l'ai mis sur une teinte, sur un papier blanc pour que vous puissiez voir tous les détails qu'il y a dans les découpes. Et moi, je vous suggère d'utiliser la plaque de précision, surtout si vous en faites dans du papier, le papier métallisé, dans le papier vélin, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il se découpe beaucoup mieux tous les petits détails avec la plaque de précision. Alors, si vous ne l'avez pas, ça serait peut-être un bon achat à faire. Maintenant, je vais vous montrer parce que j'ai découpé plein, plein, plein de papillons, mais dans du papier différent.
Juste montrer ça. Ici, j'ai découpé des papillons. Je vais enlever cette feuille-là. Avec le papier à paillettes arc-en-ciel. Vous en avez parlé la semaine passée parce que j'avais découpé des petites feuilles dans ce papier-là. À la page 153, ça fait de magnifiques papillons. Or, ils sont, je vous le dis, j'ai été obligée de demander à mon mari de m'aider à les passer à la machine de découpe parce que je commençais à avoir mal à mon épaule. Parce que j'ai fait une tendinite à un moment donné, puis c'est ça. Alors, je vais juste montrer avec le papier paillettes comme c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Regardez comme c'est joli. Ça brille de toutes les couleurs. C'est beau, c'est beau. C'est pas possible. J'en ai fait de toutes les teintes. Imaginez mettre un beau papillon. Regardez comme s'il est beau. Mettre un beau papillon comme ça, avec un autre en dessous. On peut mettre un beau papier vélin en dessous, mais je vais vous le montrer. J'en ai. Que j'en ai découpé dans le papier vélin. Un petit peu. Oh, je vous le dis, je me suis amusée comme un enfant. Donc, celui-là, il va avec ça. Bon, regardez sur le papier vélin comment c'est joli. Et on peut même les superposer, mettre une autre teinte par-dessus, un autre papillon plus petit. Alors ça, c'est avec le papier arc-en-ciel. Ben, arc-en-ciel, la paillette arc-en-ciel, oui. C'est un papier qui est à paillettes et qui est en dégradé, avec des teintes de dégradé. Très, très joli. Bonjour, Linda! OK. Bon. J'en ai fait, je vous le dis. Bon, OK. Maintenant, j'en ai fait en vélin aussi. Très, très joli en vélin. Des fois, quand on veut juste adoucir, voyez-vous, celui-ci est dans un carton régulier, juste jaune. Peux-tu simplement mettre un petit vélin par-dessus pour adoucir? Ça dépend toujours de notre projet aussi. Et comme je disais, avec le vélin, il faut vraiment y aller avec la plaque de précision parce que il faut repenser trop souvent. Puis on a un petit peu de difficulté là, d'enlever tous les petits détails. Regardez comme c'est joli. Tellement beau, en tout cas, là. Si vous avez une collection à vous procurer dans le prochain catalogue, je vous dis, c'est celle-là, moi, que je vous conseille. Parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. Je vous dis, je suis tombée carrément en amour avec cette collection-là. Les papillons sont magnifiques. Je pense que c'est la première fois que Stampin' Up! A autant un ensemble qui est joli comme ça dans les papillons. Je trouve que Stampin' Up! Se surpasse d'année en année. Celui-ci, je l'ai découpé dans le papier. Attendez. Excusez, je passe devant vous. Je vais juste montrer. Ça sent bien, c'est dans le mini-catalogue. Je vous en ai déjà parlé de ce papier-là. Bon, avec la collection Sable et Mer. Bon, OK. Je vous en ai déjà parlé de ce papier-là, le numéro 5, le papier spécialité nacré. On a deux feuilles et 5 et 50. OK, mais ça fait très, très beau. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir la brillance du papier. Ce papier-là, il est magnifique. Je ne sais pas si je le mettrais sur du foncé, si vous le verriez mieux. Je vais juste essayer quelque chose. Si je le mets là-dessus, je ne sais pas si vous le voyez mieux. Alors, je me suis amusée à découper des papillons. Je le dis, j'en ai mal à l'épaule. Je me suis même découpé des petites, ben, avec une autre, avec une perforatrice, la perforatrice libellule. Je me suis découpé des belles petites libellules. Puis je me suis découpé aussi les mini-mini, les petits papillons comme ça. Là, regardez comme ils sont beaux. Ils n'ont pas de détails, ceux-là, mais ils sont super jolis. Et voilà, c'est à ça que j'ai fait ma semaine. Je vous le dis, presque à tous les jours, j'ai découpé des papillons. Alors, je vais les serrer, je vais juste
Je vais faire un projet devant vous. Bon, je vais mettre ça de côté. Je serrerai ça plus tard. J'en ai découpé aussi dans du papier cartonné régulier. Ça, j'en ai moins découpé. OK. 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 Les papiers que je vous ai montrés tantôt, dont l'endo ressemble à de l'aquarelle. J'espère que vous les voyez à la caméra. Je les ai pensés dans la machine de découpe avec le piloir 3D toile brute. Et quand on regarde de loin, le papier, on dirait vraiment que c'est de l'aquarelle. C'est vraiment, vraiment beau. Regardez comme c'est beau. J'espère que vous voyez le détail. J'espère que oui. Des fois, la caméra, c'est plus difficile. Je n'ai peut-être pas une caméra très, très sophistiquée. En tout cas, ça fait de toute beauté. Alors, aujourd'hui, je vais faire une carte avec... J'ai choisi celui-ci. J'ai tout préparé, le matériel, naturellement. Oui, Linda, tu fais bien de rajouter ça à ta commande. C'est tellement beau. Bonjour Diane. Bonjour Diane, il y a une autre Diane. OK, cool. Je vais sortir mes outils. Alors, ma carte, elle a 8,5 par 5,5 avec le pli à 4,25. Je vais plier. J'aurais pu couper mon carton un petit peu plus petit et mettre une bordure noire. J'ai pensé seulement hier soir, il est à temps, puis ce matin, bon, je ne l'ai pas fait, là, mais on va y aller quand même comme ça. C'est très joli avec le papier cartonné couleur tomate, qui est une couleur in color qui va disparaître bientôt. Alors, si vous l'aimez, faites-vous des petites réserves. Bonjour Marie-Rose, contente que tu sois là. Bonjour France. Et vous êtes fines, les filles, hein? Vous êtes encourageantes. Un petit peu, je vais mettre... Je vais juste... me lever pour bien centrer mon carton. Pas facile quand on n'est pas. Non, c'est correct. OK. OK. Alors, j'ai coupé une petite bordure. Comme je disais tantôt, j'ai utilisé le beau papier spécialité. Je vais vous donner la petite bande. Elle a 1 pouce. 1 pouce par 4 pouces. Alors, je vais la coller sur mon papier gaufré avec le pliloir. Il est vraiment beau, ce papier-là. Je ne veux pas nécessairement centrer, là. Oups! Excusez. Un petit peu de difficulté. Ouais, je pense qu'il est droit. OK. J'ai découpé deux cercles, un cercle couleur tomate et un cercle le même papier design.
Les cercles que j'ai utilisés, c'était les poinçons format coude. J'ai pris le plus grand et le petit. Je vais regarder, peut-être que je l'ai ici. Format coude, oui, c'est ça, c'est celui-là ici. J'ai utilisé le premier et le deuxième plus grand. Alors moi, je vais coller celui-ci sur mon plus grand cercle. Et celui-ci, je vais le mettre je vais le superposer. Diane me demande, est-ce qu'on pourrait faire les cartes plus grandes? J'aime la grandeur 5 par 7. Bien sûr, pourquoi pas. Mais c'est sûr, Diane, que si tu fais une carte 5 par 7, tu as beaucoup de pertes dans ton carton. Parce que le carton, normalement, on utilise le carton 8,5 par 11. Et si tu fais une carte 5 par 7, tu vas avoir beaucoup de pertes. J'en fais de temps en temps quand j'ai des demandes spéciales. Mais c'est sûr, je le conseille moins, à moins que ce soit vraiment un projet spécial, parce que tu vas avoir beaucoup de pertes. Et tu vas rester avec plein, plein, plein de morceaux de papier cartonné. Oui, des fois, on en a besoin. On a besoin de retaille, mais. C'est ça, au début, des fois, moi, je faisais plus grande, puis j'étais tannée d'avoir un paquet de cartons que j'utilisais pas plus, puis je trouvais que pour moi, c'était de l'argent gaspillé. Alors, moi, je ne conseille pas, mais tu peux le faire pour une carte spéciale, là, pas de problème. On va faire une carte aux couleurs douces aujourd'hui. Ok, je vais positionner mon petit. Comme ça, excusez. Quand je suis pas fâche, j'ai un petit peu de difficulté. Bon, voilà. Très joli. Ah, je me suis. Oh, attendez un petit peu. Je pense que je vais utiliser la belle petite ficelle dorée là, que j'aime tant. Avec les mini pointes de colle. Je vais mettre ça en dessous de mon papillon. On en met plus qu'un. Je l'ai. Ah, il est ici. Je pensais que je l'avais perdu. Ah, ok. Même je vais en mettre un autre. Avez-vous remarqué, il fait encore soleil. Ce matin, il neigeait. Puis je me suis dit, ah, pas de soleil aujourd'hui. D'habitude, il fait soleil quand je fais mon live. Je vais le laisser dépasser. On y va aléatoirement, sans vraiment de précision. C'est juste donner une petite touche, une belle petite touche chic. Juste attendre un petit peu. Ok, j'arrive. Juste parce que je veux juste le redescendre. Bon, comme ça. Et on effriche le bout. Des petits fils, des petites mini-fils. Ok. J'ai un petit ruban. Je vais rajouter un petit ruban parce que je trouvais que ça faisait un rappel du carton. C'est la couleur tomate. C'est en duo. C'est en couleur tomate avec le ruban vert olive. Il est à la page 160 ici. Il est très, très, très joli. On a deux teintes. C'est un millimélo.
Alors, je vais rajouter des petits points de colle. Les ménage pas. Je vais regarder s'il y a des questions. Oh, non. Okay. Oups, fais attention, des fois, j'ai l'impression que je travaille pas au centre de mon plan de travail. Qui va être popé comme ça. Bon, comme ça. Celui-ci, je vais le faire tenir avec un autre petit mini point. De toute façon, ça va être caché par le papillon. Bon, okay, comme ça. OK. Alors, j'ai pris un des papillons sur le papier design, celui-ci. Et j'ai découpé un autre papillon dans le papier design. Attendez. Celui que je vous montrais tantôt, celui-ci, ici. Je trouvais que ça faisait joli, les deux ensemble. Parce que je vais mettre les deux, je vais les superposer, tout simplement. Je vais rouler un petit peu les. Donner un petit peu de vie au papillon. Il est très beau. Je ne mettrai pas en dimension. Un petit peu plus. Il est beau. Très, très, très joli. Ou une chose que je pourrais faire, si je ne veux pas le mettre par-dessus, je pourrais aller le mettre ailleurs aussi. Mais je veux quand même donner que ça soit central, là. Bon, je vais recoller l'autre. Là, je vais le coller avec la colle Tombow. Je vais vous montrer un autre projet que j'ai fait tantôt. C'est collé comme il faut. Je vais y retrousser les ailes un peu. Lui donner du mouvement, de la vie. Puis je pense que je vais mettre une perle dans le milieu, une belle petite perle, si je les ai avec moi naturellement. J'ai préparé mes projets pour les 2-3 semaines à venir. Alors j'ai beaucoup de choses sur la table. Ce ne sera pas long. Sinon, j'aurais aimé mettre une petite perle. Belle petite perle blanche ou jaune. Je pense que je vais aller les chercher. Parce que je pense que ça va faire joli. Durant ce temps-là, ben regardez ma carte. J'arrive, ça va là. Parce que je vais la colorier au Stampin' Blend. Je vais la colorier, la couleur, c'est tellement safran, c'est la plus foncée. Oh, j'en ai colorié une, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle est plus jaune, celle-là. Je vais en remettre.
On n'a pas besoin d'avoir des perles de toutes les couleurs. On a juste à les colorier au Stampin' Blend si on les a. Là, je vais la mettre au centre ici. Petit rappel. Genre. Et j'ai des petits mini papillons que j'avais coupés, que je vais mettre sur ma carte aussi parce que je les trouve jolis. Je ne les mettrai pas en dimension, je vais juste les coller. Comme ça. Je vais en mettre un ici. Ça, je l'ai coupé dans du papier design et puis c'est très surprenant de voir l'épaisseur du papier design là. C'est pas mince comme une feuille de papier là. Il est vraiment vraiment épais, pas comme le papier cartonné, mais surprenant pour un papier design, quasiment aussi épais qu'un papier spécialité. Je vais mettre juste ce petite perle toute petite. Juste une petite perle blanche ici. Toute mignonne. Et on va lever les petites ailes, de lui donner un peu de mouvement. Voilà, ma carte est terminée. L'intérieur, bon, je ne l'ai pas préparé, là, je le ferai tantôt. Alors, ça, c'était la jolie carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Puis, je vais vous montrer juste un autre, mais complètement différent, couleur complètement différente. C'est celle-ci, qui est très très belle aussi avec le beau papier design que je vous ai montré tantôt. Celui-ci avec celui-ci que j'ai découpé. Ben, je l'ai coupé la même grandeur. Ma carte, elle a 4 écarts par 5,5. Donc j'ai découpé mon papier design la même grandeur que le dessus de la carte. Et j'ai découpé le papier design avec le poinçon, les cadres décoratifs là, que j'utilise assez souvent. Vous avez dû vous en rendre compte, j'utilise assez souvent. Ça fait il est très, 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 très joli. Ça fait une belle petite dentelle autour, là. Ça fait féminin. En tout cas, moi j'adore ça, là. Puis ici, j'ai découpé le plus gros des poinçons dans le carton blanc. Et j'ai pris un poinçon un petit peu plus petit, celui-ci, qui avait été découpé dans le papier à paillettes. Alors, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez bien que mon papier à paillettes, il ressemble beaucoup parce qu'il est très, très, très brillant. Oui, merci Dorina. Merci Diane. Oui, ils sont belles les deux. Puis le vœu ici, c'est le petit merci ici, avec les tempes abondance de beauté. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle étampe aussi, n'importe quel vœu. Puis j'ai mis le petit ruban à pois parce que je le trouve délicat, puis je trouve qu'il fait très, 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 très féminin. J'ai décoré l'intérieur de ma carte, puis j'ai une petite bande aussi pour décorer mon enveloppe. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Deux cartes faites avec la même collection.
Les papiers design. Je n'ai pas utilisé encore la grosse étampe. Ça va être bon dans les semaines à venir. Je vais l'utiliser, c'est certain. De toute façon, ça va être dans le nouveau catalogue au moins un an. Peut-être même, je pense que ça va être 2 ans dans le catalogue. Mais ça, je ne peux pas parler à la place de Stampin' Up, là. Mais au moins un an. Puis la semaine prochaine, bien, c'est encore, je vais vous présenter un projet, c'est encore avec cette collection-là. Puis ça va être une carte super simple qu'on peut insérer une carte cadeau à l'intérieur. Parce qu'on en a toujours besoin parce que quand on a des grands-enfants ou des grands-petits-enfants, souvent c'est de l'argent qu'on leur donne hein, parce qu'ils peuvent se procurer ce qu'ils veulent. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous avoir présenté cette superbe collection. Hop, attendez un petit peu. J'ai oublié de mettre quelque chose. Je viens de le voir sur mon projet, mon petit vœu. Excusez. Je viens juste de le voir. Il est tellement petit qu'il était égaré dans tout ce qui traîne sur la table, là. Vous ne le voyez pas, mais quand même. Je vais juste mettre mon petit vœu. Vous allez voir, ça va donner juste une belle petite touche. On va regarder. Je peux. Ici. Je pense que je vais aller le mettre ici. Non, je vais le mettre un petit peu. On va regarder ça, ce que je vais le mettre. Je vais le mettre avec mon projet du centre, je pense. OK. Donc, je vais mettre un deuxième dimensionneur ce côté ici parce que ça, c'est déjà en dimension. Donc, je vais en mettre un deuxième ici. Tellement de choses à penser des fois que la mémoire est courte. Chance que je l'ai vu. Regardez, ça fait juste un beau petit rajout. Comme je vous dis, là, si j'avais mis une petite ligne de carton noir autour de celui-ci, seulement un 5, ça l'aurait eu un petit peu plus de punch. Parce que hier, il était tard quand j'ai pensé. Ce matin, je n'ai pas pensé, mais moi, je vous quand même, je peux vous le suggérer. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, je vais encore travailler avec cette collection-là que j'adore. Et merci d'avoir été avec moi. Et je vous souhaite un bel après-midi et profitez du beau soleil. Allez prendre de l'air, les marchés, ça nous va nous faire du bien. Carole, elle me demande, peux-tu les approcher un peu? Oui, bien sûr, Carole. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est assez clair? Dis-moi, Carole, est-ce que c'est assez clair devant la caméra? C'est un petit peu, on dirait que c'est un petit peu embrouillé parce que ma mise au point, elle a été faite pour ma table. Si j'attendais donc un petit peu, je vais essayer, je vais mettre la, je vais essayer, me faire une nouvelle mise au point. Attendez un petit peu. Comme ça. Ah, je pense que c'est pas pire. C'est un petit peu embrouillé, mais c'est pas grave. OK, je monte celle-ci un petit peu. Oups. Comme ça. Bon, OK, voilà. Tiens, c'est ça. De toute façon, tu vas nous mettre des photos. Oui, bien sûr, demain, je vais les mettre sur mon Facebook. Alors, merci pour vos beaux commentaires. Merci d'avoir été avec moi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure à 14 h. Merci, bonne fin de journée.